Le four a été sauvé de la vallée de l'Andelle en 91. Il est dans un état pitoyable. On l'a démonté pièce par pièce et remonté de A à Z ici. Il a subi un incendie il y a un peu plus d'un an. On a fait le nécessaire avec l'ensemble des partenaires du CFA et de la Fédération Bâtiment, mais aussi des collectivités. Et on a pu reconstruire quelque chose de magnifique. Le four à pain va reprendre ses tournées les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois. Comme on le sait, un lieu sans activité est un lieu qui ne vit pas. Et notre but associatif est de faire vivre tout ce que l'on restaure. Et donc, dès aujourd'hui, depuis ce matin, le four à pain est en train de cuire les pains et les brioches pour le plaisir de tout le monde. On fait chauffer le four avec du bois à l'intérieur du foyer. On retire la braise et après, ensuite on remet le pain directement sur la sole. Donc c'est là, ce qui apporte le goût du pain, c'est les essences du bois qui sont à l'intérieur du four et qui retombent dans la pâte, qui s'intègrent avec la fermentation de la pâte quand ils développent au four. Et ensuite, l'avantage que c'est que ces pains-là, c'est que ça dure une conservation assez longue, compte tenu que c'est cuit directement sur la pierre, ça absorbe directement l'humidité du pain. Et c'est ça que ça fait sa durée de vie assez importante. Alors le Centre d'Histoire Sociale a fêté, vous le savez, ses 30 ans l'année dernière. Et on a sauvé multitude de monuments sur la région, près de 250, dont des fours à pain, comme celui de l'INBP. Dans un mois, il y aura différentes manifestations, la fête des imprimeurs. Au mois de mai, la fête des boulangers, ici même pendant 3 jours, la Saint-Honoré. Tous ceux qui viennent ici, ne serait-ce que quand ils entrent dans le four à pain, sentent l'odeur de la brioche et du pain cuit au feu de bois, c'est exceptionnel, on n'en fait plus beaucoup. Et une fois qu'on a goûté, on peut plus, on craque, on achète, on repart avec. Et beaucoup de gens font demi-tour parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver à la maison.